Bonjour, je m'appelle Blandine Roberts, je travaille pour une société de service à la personne et aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer un liquide vaisselle maison. Pour cela, vous aurez besoin d'environ 100 g de savon de Marseille râpé, du vinaigre d'alcool, des cristaux de soude et des huiles essentielles. La première étape consiste à faire bouillir du vinaigre d'alcool. Une fois que le vinaigre est chaud, on l'a transvasé dans un récipient et on va y rajouter environ 100 g de savon de Marseille râpé. On mélange. Pour une meilleure dissolution, versez au fur et à mesure le vinaigre chaud sur le savon de Marseille. Une fois que le liquide est homogène, rajoutez un peu de cristaux de soude, à peu près à la moitié d'un verre. Et terminer en rajoutant quelques gouttes d'huile essentielle. Et mélanger. Une fois que votre liquide vaisselle est prête, vous pourrez la transvaser dans une bouteille et pensez à agiter avant chaque utilisation. Donc voilà, aujourd'hui vous avez appris comment fabriquer un liquide vaisselle. Si vous souhaitez avoir d'autres astuces ménagères, n'hésitez pas à regarder notre prochaine vidéo qui vous montrera comment fabriquer un nettoyant multi-usage.